Yo, Dayo, c'est Sanlin, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Minecraft Dungeons. Donc la série continue malgré toute cette longue absence sur la chaîne par rapport à cette série. La raison est simple, la raison pour laquelle j'étais aussi absent, c'est bêtement parce qu'il y avait beaucoup d'autres choses à faire sur la chaîne, beaucoup de séries que j'avais démarrées, d'autres que j'ai mis en pause. Bref, il y a eu une grande activité sur la chaîne et en même temps, il y a eu également la fête de fin d'année. Donc c'est le premier épisode donc de l'année 2022. Donc bonne année à ceux qui viennent sur la chaîne juste pour Minecraft Dungeons. Et quant à moi, j'ai mis à jour le jeu et du coup j'ai beaucoup de nouveautés. Déjà, on a le Hub Aventure, donc apparemment c'est un pass de combat, on dirait. On dirait que c'est un pass de combat, donc classique comme on en trouve dans pas mal de jeux, comme par exemple Fortnite et tout. Il y a eu beaucoup, je crois que, bon. Il y a par ici, il semblerait un immense bâtiment, on dirait un manoir. Donc ça c'est nouveau par contre, parce que c'était pas là avant. Donc j'ai envie de voir ce que c'est. La tour, donc comment c'est la tour? Les créatures ne laissent pas de butin, mais il y a des récompenses à chaque étage. Ah d'accord, donc c'est un combat, ouais. La tour de la tour commence toujours avec un équipement minimal, terminer les étages. D'accord, ok. Donc c'est juste un nouveau mode de jeu, donc bon. Je ferai peut-être pas ça dans cette vidéo, je sais pas si je ferai ça en vidéo du tout, en fait j'hésite à le faire plus en live qu'autre chose. Mais voilà, parce qu'en fait là, on va continuer le let's play, on va finir tous les niveaux en mode aventure. Donc tous les niveaux d'aventure, on avait déjà fini la partie avec la jungle ici. Là maintenant, on va finir ça. Donc ça, c'est les royaumes insulaires. Donc après, il restera le Nether à explorer. Du coup, là, ça, c'est les royaumes insulaires. On va commencer par les pics balayés par le vent. Et après, l'arène des rafales, je crois. Bon, on va commencer par ces pics-là. Les éclats de l'orbe de domination font des ravages sur la surface, ainsi que dans ces montagnes escarpées. Des tempêtes mugissantes s'abattent sur le chemin menant au sommet, et tant que l'éclat ne sera pas détruit, les vents étoufferont la dernière étincelle d'espoir de ce monde. Et on y est. D'accord. On a des boucs et des chèvres, donc comme d'habitude, vu qu'on est dans le biome montagne. On dirait qu'il y a eu une mise à jour 1.18 ici aussi. Bon, après les chèvres, c'est 1.17. Oups, 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 le vent. Ah ouais. Bon, va falloir faire très attention parce qu'il y a beaucoup de vent. Ça fait très longtemps que j'ai pas touché au jeu, donc je suis très très rouillé. Hein. Donc si je comprends bien, potion dense, j'imagine que ça me protège du vent. Parce que là, ça va être le niveau avec beaucoup de vent, je crois. Ça a l'air d'être le cas. Je sais pas si je peux atteindre ce vase. Ouais, je peux. Hop là, et ici, il y a un coffre. D'accord. Avec la TNT. On va essayer de courir vite. Ouais, non, j'y arrive pas. J'y arrive pas, on va devoir attendre que le vent cesse de souffler. Voilà. Et on va continuer. Bon, on semblerait qu'on soit arrivé dans un espèce de village avec des villageois. Et pas des villageois normaux. Il va falloir que... Voilà, hop là. Je fasse éclater cette TNT. J'ai l'impression qu'ils font plus de dégâts qu'avant. Est-ce qu'ils ont été buffs depuis la mise à jour? Hop là. Ça a l'air d'être le cas. Je crois pas que je vais avancer très vite dans ce niveau. Hein. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué au jeu. Hop là. Et c'est comme ça, la chaîne a eu pas mal d'activités. Je vous conseille de regarder les autres vidéos de la chaîne, c'est très intéressant. Parce que ce SP va bientôt se terminer, hein, genre il reste vraiment très peu de niveaux, donc voilà. Hop là. Après, ça sera juste des petits lives par-ci par-là sur mon Twitch. N'hésitez pas à venir check mon Twitch quand je live. Je live tous les dimanches en général. Enfin, si je peux. Des fois, je peux. Il m'arrive de pas pouvoir live. En même temps, être étudiant en master, c'est très compliqué de live en même temps. Hop là, je continue l'exploration. La montagne a l'air d'être assez large, on dirait un espèce de labyrinthe. Bon, là, il y a un village. Wow, ce bruit. On dirait un rugissement. Il est bien ici. Pas envie que les villageois s'enfuient. Allez. Et voilà. Beaucoup de squelettes comme d'hab. J'aime bien la musique épique qui se joue. Ça change de d'habitude. Allez, hop. Et voilà. Ouais, il n'y a pas eu de coffre, tiens. On va continuer l'exploration. Ça a l'air d'être par ici, j'ai l'impression. Donc ici ça a l'air d'être juste un bonus, ouais.
Bon, je vais juste continuer le niveau. Je jouerai en off pour les bonus. Comme d'habitude. Hop là, vitesse. On défonce le creeper. Allez, pleine vitesse. Boum. Hop là. Level up, voilà. Hop là, on est arrivé dans quelque chose d'assez large au niveau de la carte. Bon, il y a un coffre ici, on dirait. Je sais pas quoi, je sais pas c'est quoi ces lanternes là, ces petites lampes, ça a l'air d'être bizarre. Mais la map est beaucoup plus grande que ce que je pensais. Alors, il y a beaucoup d'endroits à explorer. Là, par ici, on peut pas aller plus loin. Et ici? Ici, y a rien. Ok. Bah, du coup. On peut à pleine vitesse. Et on va retourner dans cette grande zone que j'ai découvert. Genre, juste ici. Il y a des interrupteurs activés, on dirait. Il va falloir que je descende en bas. Ouf, ou le vent. Ou comment je le vis bien, le vent. Et hop, hop. Ah, y a des courants d'air qui me suivent, j'ai l'impression. Ouais, ça a l'air d'être ça. Wow! D'accord. Ah, d'accord, cette map sera. Ah, ça sera très venteux par ici, dis donc. Ah, y a beaucoup de vent. On va attendre que le vent passe par ici. Allez, on continue l'exploration, les gens. Wow, on est vraiment en hauteur. Ouais, gardez la distance de vue, quoi. Hop là, c'est bon, on a pu activer. Les machins, les petits moulins, je sais pas ce que c'est. Hop là, allez. Un combat s'enclenche. Faire gaffe. J'espère que le vent va pas encore me pousser. Ah, il y a un coffre ici. Couteau de tempête, d'accord, c'est une nouvelle arme. Je vais explorer un peu par ici. Histoire de voir ce qu'il y a. Bon, il y a des îles à joie, mais. Il y a de la glace, ouais. Et il y a de la TNT. Bon, on va aller voir si la porte en bas s'est ouverte ou pas. Parce que c'est finalement un peu l'objectif. Ouais, bah oui, c'est sûr que si tu me pousses, on va y arriver à cette porte. Allez, je vais me soigner, parce qu'il va y avoir beaucoup de dégâts de chute dans dans ce niveau. Et hop là. Allez, il y a beaucoup de combats par ici. Allez, allez, allez. On se fait attaquer de partout en fait, et il y a beaucoup de vent. C'est un niveau qui est déjà très riche. Allez, je récupère l'armure de spéléologue. Et on continue. Oh. Ok, on va devoir passer très très vite si on veut pas choper le vent! Putain, mais pourquoi ils en ont mis un au milieu, quoi? Pourquoi il se fait pas pousser, lui? Pourquoi moi je dois. Pourquoi c'est moi qui devrais être poussé par le vent? Eh ben, dis donc, cette crevasse est très grande. Une crevasse venteuse, j'ai l'impression que ça a l'air d'être ça. Faut qu'on trouve la route qui mène vers le sud de l'histoire. Oh, là-bas, il y a un pont qui a été ravagé. Hop là. Petite potion de dégâts. Allez, potion dense, comme ça, on est lourd. Que le vent ne nous pousse pas. C'est parti. Hop là, on dirait qu'il va falloir qu'on libère les lamas. Je sais pas pourquoi ils ont enfermé des lamas, les villageois. J'ai l'impression que c'est pour les transformer en. Ouais. En ravageurs. On va les libérer. Je sais pas, ils sont bizarres, les villageois. Hop là. Défoncer les ravageurs en un coup. Normalement dans Minecraft ça crève pas en un coup ce genre de mob. C'est un mob très difficile à battre dans Minecraft normalement. Allez, on prend l'ascenseur. Je sais pas où est-ce que je me trouve, ça a l'air d'être un espèce de. Ouais. Je dirais une montagne géante, genre un peu comme dans mon let's play sur Céleste, mais ça fait très longtemps ce let's play. Il y a maintenant un an. Il y a déjà un an hein, quand même sur la chaîne, c'est dingue. Ah mais je peux pas monter. Ah vous êtes marrant. Bon bah d'accord, du coup bah j'attends l'ascenseur. Allez, on continue notre ascension. Je peux pas passer par ici, c'est dommage. Il y a des creepers qui me courent après. Il va falloir que j'aille à contre-vent.
vitesse de déplacement. Let's go. Wow. Wow. Non, 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 non. Qu'on reste tranquille. Voilà. Là, ça permet d'ouvrir la porte ici. Bon, ok, ok. Attends. C'est parti. Attends, au moins, ça me téléporte aux ennemis directement. On défonce tout le monde. Allez, il y en a d'autres qui apparaissent. Attends, il faut que celui-là arrête de s'enfuir. Voilà. On va appeler l'ascenseur. Allez, on continue notre exploration. Mais par contre, il va y avoir beaucoup de vent par ici, on dirait. Oh là là, ça va être dur. Dur, dur avec le vent. Bon. Cette villageoise m'a empêché, du coup on va devoir attendre que le vent passe. C'est parti. Oh. C'est effrayant quand même. Oh là là, mais laissez-moi passer à la fin. C'est pas possible. T'as fait deux cages. Allez. On va défoncer tous ces ennemis, la vidéo est déjà trop longue. C'est parti. Allez. C'est bon. Yes. Mais arrête. Voilà, bon, ça rebondit, parfait. Mais il y en a beaucoup, hein, des villageois. Des alpinistes. Allez, l'épée. Et on y go. Bon, j'ai remarqué, semble-t-il, qu'il y avait des villageois qui créaient des tornades, justement. Donc apparemment, même eux, ils maîtrisent la magie du vent. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'arrête pas de tomber. Ah tiens, il y a un pont ici. Et du coup, tout d'un coup, il va y avoir du vent, j'imagine. Classique. Ah mais il n'y a aucun ennemi sur ce pont, hein. C'est juste un pont comme ça. Ah, t'es d'accord. Allez, c'est parti. On est dans un espèce de temple en prismarine, de ce que je vois en Dark Prismarine, c'est-à-dire que cet endroit était sous l'eau avant, sous l'océan. C'est pas pour rien qu'ils utilisent ces blocs. Prismarine, c'est un truc d'océan. Bon, là, il y a une énigme à résoudre. Bon. J'essaie de tuer tous les ennemis avant de résoudre l'énigme parce qu'ils vont m'en empêcher. Ça a l'air, il faut... J'ai l'impression que c'est le cas. Pour reconstituer le schéma... Attends, je récupère cette pomme. Là, c'est correct. C'est juste ça qui n'est pas correct. Et hop, tu pousses le vent dans cette direction-là. Et ça ouvre la porte. Et normalement... Ouais, on a fini. Après avoir affronté éléments et adversaires pour atteindre le sommet, un sanctuaire caché apparaît entre les pics. Et c'est bon, voilà, l'écran de score. Sans souvent 4 flèches, oui, j'ai beaucoup utilisé leur balette. Parce que des fois les ennemis sont derrière un courant d'air, du coup t'arrives pas à les atteindre. Tome des courants sont dans un livre empli de cliff, nanana, des pages étranges, donc j'imagine que c'est le pouvoir de justement déclencher les vents. Voilà, j'ai l'inventaire qui est rempli. Lancer des ennemis dans l'air, d'accord. Donc c'est vraiment le pouvoir du vent, hein. C'est... Alors qu'est-ce qu'il a le forgeron? Oh, il a fini son amélioration, la lance chuchotante. Est-ce que ça veut dire que j'ai une nouvelle arme pour... Ouais, c'est le cas, j'ai complètement une nouvelle arme. Du coup, on va recycler celle-là. On va appliquer les enchantes. Du coup... l'enchant de butin... Sérieux, je peux avoir deux fois l'enchant de butin, mais c'est fou. C'est fou. On va faire, on va faire la lance qui ne fait que loot du butin, tiens. On va faire ça. Et gravité tourbillonnant. On va faire tourbillonnant. Voilà. Maximum. Et c'est bon. Donc, on a une lance qui ne fait que loot. Voilà, genre, c'est le truc que la lance est capable de faire, c'est... Ouais, bon, au niveau des dégâts, c'est pas ça, mais en tout cas, c'est une lance qui va nous looter beaucoup de butins, ce qui est plutôt pas mal. Sérieux, il y a un chien? Ah, c'est mignon, c'est adorable, on peut caresser le chien. Caresser le toutou, succès. Ouais, c'est exactement ce qu'il fallait faire, il fallait le caresser. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne, donc si le contenu vous plaît, évidemment.
N'hésitez surtout pas aussi à venir sur mon Discord et également à venir sur Twitch parce que quand ce SP sera terminé, je pense que je ferai juste des lives dessus, mais c'est tout. Donc voilà, sur ce jeu, parce que c'est pas vraiment un jeu à let's play, mais voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite de passer une très bonne journée. Allez, ciao tout le monde!